Ce programme vous est offert par la délégation Bretagne de la Fondation du patrimoine. Elle soutient les chœurs de la maîtrise de Sainte-Anne-d'Auray au travers de sa fondation abritée Louis Cadic. Bonjour, soyez les bienvenus pour ce concert Noël en Bretagne. Nous sommes à Sainte-Anne-d'Auray. Sainte-Anne-d'Auray est un haut lieu spirituel situé à quelques kilomètres du golfe du Morbihan et des plages de Carnac et de Quiberon. Cœur spirituel de Bretagne, ce pèlerinage, ce sanctuaire est dédié à Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus. Ce lieu est riche au plan patrimonial, est riche au plan culturel et accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de pèlerins. Ici, le maître mot est la transmission. Dans quelques instants, nous serons enchantés par plusieurs dizaines de jeunes qui chantent, qui jouent de l'orgue ou qui jouent des instruments traditionnels. Tous sont élèves de l'Académie de musique et d'art sacré et la plupart sont également scolarisés dans les établissements scolaires qui proposent des parcours musique-études. Père Gonel, vous êtes le recteur de Sainte-Anne-d'Auray. En quoi ce concert est un moment important pour le sanctuaire ? Oui, effectivement, ce concert de Noël attire beaucoup de fidèles, beaucoup de pèlerins qui viennent entendre tous ces chants de Noël, que les jeunes chantent avec beaucoup d'émotion, les jeunes et les enfants. Et cette émotion des chants de Noël rappelle aussi, au moment des apparitions, c'est Yvon Nicolasic qui le dit, que lorsqu'il rencontrait Sainte-Anne, il y avait ce chant, ces cantiques, mystérieusement, et c'était au fond les anges qui chantaient « Gloria in excelsis Deo », c'est vraiment le mystère de la nativité. Merci Père Gonel. Entrons maintenant tout en douceur dans la basilique et dans ce concert avec l'Ave Maria de Thomas Louis de Victoria. L'Ave Maria est ce chant de l'ange Gabriel proclamé le jour de l'Annonciation, l'Annonciation annonçant déjà le mystère de la Nativité. Après le chant de l'Ave Maria, le concert se poursuivra avec plusieurs pièces écrites pour le temps de l'Avent, ces 4 semaines qui précèdent Noël. Bon concert à toutes et à tous. Thank you.
Nous sommes à un moment important de ce concert. Après ces belles pièces écrites pour le temps de l'Avent, nous arrivons à la naissance de l'enfant Jésus. Les bergers et les anges nous indiquent en chantant le chemin qui conduit à la crèche. Dans ces chants, nous entendrons aussi les cloches qui résonnent. Leur tintement communique un souffle joyeux sur le monde. Thank you.
Nous allons maintenant prendre quelques minutes d'entracte et je vous invite à découvrir les coulisses de Sainte-Anne-d'Auray. Beaucoup ignorent qu'ici, il y a un cloître magnifique. Il date du XVIIe siècle. Venez, suivez-moi. Le cloître est orné d'un chemin de croix monumental, récemment restauré par la municipalité de Sainte-Anne-d'Auray. Durant l'été, l'Académie propose des expositions dans la galerie supérieure du cloître et nous rejoignons maintenant Cécile Perrochon, en charge des collections du lieu. Votre travail, Cécile, consiste donc à surveiller toutes ces collections, mais racontez-nous quel est précisément votre quotidien. Alors, mon quotidien, c'est de veiller à la préservation de ces collections. C'est la mission principale du pôle patrimoine de l'Académie. Et veiller sur ces collections, c'est faire en sorte de leur épargner les attaques des principaux nuisibles, les insectes qui mangent le bois, les vrillettes, qui sont vraiment des insectes qui peuvent faire de très très gros dégâts dans ce type d'objet. Mais veiller aussi au climat, puisque c'est important pour un objet en bois d'avoir toujours des températures et une hygrométrie stable. Et enfin, veiller à un entretien régulier, puisqu'il faut s'assurer que de la poussière ne reste pas stagnée sur l'objet, puisque la poussière, c'est vraiment le nid des nuisibles, des vrillettes, des moisissures et de tout ce qui peut altérer ce type d'objet. Et cet objet, qu'est-ce ? Alors cet objet est un objet des collections du sanctuaire de Sainte-Anne, une niche à volets où on a une représentation de l'adoration des mages. Donc on voit bien les mages sur la droite, et ici, sur un autel, la Vierge, le Christ et Saint Joseph. À l'intérieur de la niche, une représentation architecturée qui rappelle un peu le lieu de la naissance du Christ. Et ce qui est très intéressant sur cet objet, deux panneaux qui s'ouvrent et se referment, sur lesquels on a des représentations d'anges qui tiennent des draps imprimés avec deux inscriptions en breton. On a quand même des éléments de cet objet qui datent du XVIIe, voire même du XVIe siècle. Et malheureusement, au fil des siècles, on a eu quand même des attaques d'insectes xylophages qui ont quand même bien entamé le bois. Donc on a de grosses fragilités. Et puis bien entendu, le temps qui passe, eh bien, ça a fait aussi des dégâts, notamment au niveau de la polychromie, de la peinture qui a tendance à se détacher par petites paillettes. Et puis aussi dans les assemblages du bois qui ont tendance aussi à s'écarter. Donc on aurait vraiment besoin d'une intervention sur ce type d'objet qui n'a pas été restauré depuis déjà pas mal d'années et qui nécessiterait aujourd'hui en effet une intervention de type restauration pour améliorer son état et lui donner une meilleure lisibilité. Merci Cécile. Après cette présentation d'une œuvre touchante en plein accord avec notre moment musical, je vous invite à retourner au concert. La culture traditionnelle est évidemment prépondérante en Bretagne. Elle y est très dynamique avec des festivals célèbres comme le festival interceltique à Lorient. Et ici, à Sainte-Anne-d'Auray, les instruments traditionnels sont à l'honneur. Ils sont même au cœur des apprentissages. Plus de 40 jeunes sont scolarisés dans un parcours qui associe la langue et la culture bretonne. En Bretagne, le thème de Noël, peut-être encore plus qu'ailleurs, a inspiré de nombreux poèmes et mélodies. Nous vous proposons dans cette deuxième partie de goûter justement à quelques airs de Noël breton aux côtés d'autres Noëls français, allemands, très connus.
et création nos dit rose en élet en desconnet. Doe remet, arsalver aux ogonet. Revo et l'aïn en yon, mélation désoué, idad. Ape à hol en doigt d'un dut à volonté vat. Armeze Bethléem en une tamique marchousie. Donneur à Anternose et ma gannette armessie. Ridot au Bugulion, armapse à zo oudoué. Ridot den Inourain, armapse à zo mabdoué. Mes, ur stérénique douce, est de luet et nuandu. Ur gannette eslamus, à so huesus abeptu. Odoire, toget ar suez dira car burut neue. Et salven un dudol, doué en emrade neue. Ar uirione breman et bepler a dremeno, yolmad ar garante, er bed a ber, asplano. Ar per vo roue er bed, ne vo mui pouen dar eu, rak ur roue dur billan zo gannet dion, en ur eu.
Thank you.
Voilà, nous arrivons au terme de ce concert Noël en Bretagne. Nous sommes très heureux d'avoir partagé avec vous ce moment, malgré l'épidémie du coronavirus qui assombrit un peu Noël cette année. C'est au nom de toute l'équipe qui a participé à ce concert que je tiens vraiment à vous souhaiter un très joyeux Noël. Que cette nuit de Noël illumine vos familles, illumine vos cœurs, illumine vos proches et qu'elle apporte paix et espérance. Nous espérons aussi bientôt vous accueillir à Sainte-Anne-d'Auray. Mais avant de nous quitter, nous allons encore chanter tous ensemble, on peut le faire chez soi, on peut chanter tous ensemble ce chant très connu, « Il est né le divin enfant ». Au revoir et comme on dit en Bretagne, « Kenavo ». Thank you.
Ce programme vous a été offert par la délégation Bretagne de la Fondation du patrimoine. Elle soutient les chœurs de la maîtrise de Sainte-Anne-d'Auray au travers de sa fondation abritée Louis Cadic.